à tous. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche matin. C'est toujours un petit peu plus dur le dimanche. Mais enfin, ça nous donne un peu plus de temps pour travailler, puisque la journée d'aujourd'hui est vraiment, vise vraiment à avoir des discussions autour de propositions dans les ateliers, vraiment pour travailler sur le contenu. C'est pas juste écouter des orateurs. Donc, évidemment, l'énergie, qui est le thème d'aujourd'hui, est une question absolument centrale, qui est dans l'actualité sous beaucoup de facettes. Donc bien sûr, une des facettes dont on parle le plus, c'est la question du prix, puisqu'on est encore pour le moment dans des records du prix du baril. Des centrales, c'est 9 milliards nets de bénéfices. Et si on prolongeait les centrales, par exemple, de 5 ans, c'est 6 milliards supplémentaires qui pourraient être engrangés par Suez, Electrabel, Gaz de France, etc. Et je rejoins tout à fait ce que Daniel a dit sur le fonds Sinatom. Et jusque-là, on n'a toujours pas la garantie que nous aurons bien l'argent lorsqu'on va démanteler les centrales, argent qui était évidemment collectivisé, collecté par vous.